Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour qu'on puisse s'aider, se parler, se comprendre. Bref, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean. Bienvenue sur Studio Saint-Jean 2.0. Nous sommes le 1er avril et fidèle à la tradition, nous vous présentons depuis les tout débuts de Studio Saint-Jean l'artiste du mois. Je vous rappelle que traditionnellement, l'artiste du mois accrochait sur le mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean. Pandémie oblige, il n'y a pas de mur des artistes, mais il y en a un, mais il est vide. Mais ça ne nous prive pas du plaisir de rencontrer à chaque mois, le premier de chaque mois, un artiste pour le découvrir, si vous ne le connaissez pas, ou le connaître mieux. L'artiste du mois d'avril, roulement de tambour, mesdames, messieurs, Luc Archambault, ci-devant photographe. Salut, Luc. Salut, Louis. Hey, y a toute une intro. Ben là... T'es l'artiste du mois ou t'es pas l'artiste du mois? Oui, c'est sûr. Oui, oui, okay. Bah, OK. Non, mais ça, c'est comme dans Playboy. Là. Il y a des meilleurs mois que d'autres, là. On ne sait pas. Là. Mais c'était ça l'idée au début, le premier du mois. Donc, c'était... et c'est toujours... Et, d'ailleurs, il y en a juste un que j'ai pas fait, je pense, c'est le mois dernier. Sinon, j'étais là tous les premiers du mois parce qu'on enregistre généralement longtemps d'avance. On se fait une session avec 5, 6, 7 artistes pour le reste de l'année. Ça, c'est la pandémie. La pandémie a changé bien des affaires, hein? Hey, aïe, aïe, je comprends donc. Ça a donné des surprises, des nouveaux défis, surtout technologiques, à cause de, on est dépendant de la technologie extérieure à nos équipements, nous autres. Mm-hmm. Donc, des fois, on a des petites surprises, mais on a de la créativité, puis on peut faire beaucoup de choses en montage. Oui, il y a ça. Sauf qu'à Studio Saint-Jean, on n'en fait pas de montage, mais en photo, j'imagine que tu peux travailler tu Photoshop, comme on dit. Avant de parler de Luc Archambault, notre artiste du mois photographe, parlons de la raison pour laquelle on l'a choisi pour le mois d'avril. C'est parce que tu as une exposition à la Loge le 9 avril prochain. Oui, 9 avril, c'est dans quelques jours. Oui, c'est ma première exposition solo à vie, si on veut. Qui débute le 9 avril prochain pour pratiquement tout le mois d'avril. Donc, je vais être à la loge tout ce temps-là à vous montrer, vous conter les histoires de mes photos. Parce que c'est surtout relié à une histoire, bon, en tout cas l'histoire de chacune de ces photos-là, qui c'est des vraies histoires. Là. C'est pas, comment je pourrais dire, inventé. C'est vraiment des choses qui sont reliées à ces photos-là, que j'ai soit vécu ou soit entendu parler. Ça, c'est fascinant parce que du point de vue de celui qui raconte l'histoire, c'est chargé. Parce que j'imagine qu'on se replace, Luc qui est à la loge en train de nous montrer la photo qu'on regarde, puis dire « ça, c'était… » Puis là, dans ta tête, tu dois retourner à ce moment-là, j'imagine. Oui, parce que je fais le titre de mon exposition, c'est « Les points de repère ». Comme de raison, tout le monde a des points de repère. Je ne suis pas tout seul, là, je ne suis pas unique au monde. Donc, tout le monde a des points de repère. Et chacune, quand j'ai fait le choix de mes photos à travers mes disques durs, parce que quelques-uns, j'ai développé un fil conducteur entre certaines photos qui étaient comme des étapes ou un point de repère dans une vie ou dans une portion de ma vie, peu importe, là, c'est pas important. Le fait, c'est que je les ai identifiés comme des points de repère, puis à partir de ceux-là, c'est à partir de ces points de repère-là que, bon, c'est mon guidé à travers la vie qui m'a emmené aujourd'hui. Plusieurs c'est donc, là-dedans qui sont... Oui. C'est donc un bilan que tu nous présentes, là. Tu t'es imposé une rétrospective de ta vie, à peu près, en allant choisir ces photos-là, là. Ah, regardons, j'avais pas vu ça de même, mais oui, comme je viens presque de le dire, c'est des photos qui représentent quelque chose pour moi, parce que c'est des points de repère sur le fil de ma vie, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et puis, mais je les rapporte pas à ma vie, à moi, je les rapporte surtout à ce que le point de repère représente, probablement pour moi, mais aussi pour peut-être bien du monde aussi. Donc, quand je parle, exemple, un des points de repère, c'est, exemple, la grosse boule. Moi, je l'appelle la grosse boule, près du terminus d'autobus, comme un point de repère pour qui te guide vers, qui t'indique où ce que tu es rendu quand tu passes à Saint-Jean.
Ben, j'ai élaboré un peu l'histoire là-dessus. Je l'ai un peu. Je sais pas si je l'ai. En tout cas, j'ai fait un petit texte là-dessus qui fait que c'est comme une figure de style pour m'en parler comme si c'était pratiquement comme un totem. Tu sais, un totem, c'est quelque chose qui te guide spirituellement aussi. Donc, c'était un peu ça. OK. Je m'excuse d'avance, j'ai eu un petit problème de Le Wi-Fi, puis contexte. je pense que je l'ai réglé pendant qu'on se parlait. On va voir, là. Effectivement, il y a des OK. moments. C'est drôle parce qu'on a parlé, on a commencé en parlant de la technologie, là, mais il faut vivre avec certaines choses. Bon, des choses comme ça fait maintenant partie de nos vies au quotidien. Mais la beauté, c'est qu'on peut Oui. se parler à distance, enregistrer ça à distance et être capable de présenter ça à tout le monde. Puis on va vivre avec les petits aléas. Moi, pour la petite histoire, je venais juste de me brancher sur le mauvais Wi-Fi avant de commencer, donc forcément, c'était moins bon. OK, là, j'espère que ça va s'améliorer. Mais là, tu viens de dire deux choses là, que je n'ai pas oubliées, dont je voulais parler, mais il fallait placer Oui. ça, là. La boule, la photo de Oui. la boule, c'est laquelle que tu as mis finalement, parce que tout le monde en a des photos de la boule. La tienne, elle a quoi de spécial, non? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ben, c'est parce que il y a son histoire que c'est l'histoire que j'y rattache à cette boule-là, tout simplement. Tout le monde la connaît, cette boule-là, sauf que quand tu la regardes, tu dis, oh, c'est juste une boule. Bon, c'est tout aussi simple que ça. Sauf que si on regarde l'histoire de cette boule-là, c'est qu'autrefois, quand la boule a été installée, à cause de l'usine qui est à côté, autrefois, le Dominion Textile qui est passé une partie de sa vie à Saint-Jean, mais la boule, c'était une réserve d'eau. Bon, elle avait une fonction, tu sais, on appelle ça des châteaux d'eau, c'est quand même une belle promotion, mais l'usine est partie à un moment donné, mais elle a laissé sa boule chez nous. Donc, la boule a eu un autre job à faire, un autre métier qui s'est développé. Puis c'est curieux, le monde, en général, le monde vont décider d'eux-mêmes comment ils vont nommer les choses, comment ils vont les utiliser. Tu sais, on a juste à penser au pont Marchand à Saint-Jean, on l'appelle encore le pont Neuf. Bon, ça fait partie des mœurs de la place. Donc, la grosse boule, ben, ça fait partie aussi de la place, du contexte de la place. Mais j'y ai raccroché une histoire. Comme avec la saveur de point de repère, où plus on est élevé, plus on est haut, je veux dire, plus la vue porte, plus elle va loin, donc plus on peut se fixer sur notre territoire à distance, en tout cas en hauteur. Puis évidemment, aujourd'hui, cette boule-là est décorée d'un panache, on va appeler ça un panache, là. Mais c'est des antennes de cellulaire, c'est simplement ça. Mais ça nous permet quand même de se voir. Ces antennes-là, de communiquer avec le reste du monde. C'est drôle parce que dans mes fonctions, je suis allé remplacer la ministre de la Culture un jour à Vaudreuil pour l'inauguration des œuvres qu'ils avaient peintes sur leur boule. Ben, c'était pas une boule, eux autres, c'est un château d'eau, Oui. là. Et c'est magnifique. Et puis, à chaque fois que je vois notre boule, notre grosse boule à Saint-Jean, que je vois d'ailleurs de la fenêtre de ma chambre, je me dis tout le temps, c'est vrai qu'il y aurait vraiment quelque chose de mieux que ça à faire avec. Bon, OK. Une fois qu'on a parlé de la grosse boule, on va revenir au photographe parce que j'avais fait la parenthèse pour être capable de comprendre qu'on se te parlait et qu'on avait fait de toi notre artiste du mois, pas seulement parce que tu bénévoles pour Studio Saint-Jean, mais parce que tes photos sont magnifiques. Mais c'est quoi le photographe là, en toi, là? C'est quoi sa satisfaction? Est-ce que c'est le plaisir de capter? Est-ce que c'est le plaisir de montrer? Le photographe que tu es, il va chercher son fun, son plaisir, sa satisfaction dans quoi au juste? Oh, c'est une bonne question, ça. J'ai plusieurs plaisirs parce que ça dépend du style de photo que je veux faire cette journée-là. On va mettre ça au plus simple. Aujourd'hui, je suis allé au centre-ville ce matin et chemin faisant, j'ai fait la photo de rue. Bon, c'est pas original, sauf que les rues étaient vides. Donc, ça faisait bizarre. Ça fait comme un paysage. C'est la photo de paysage finalement qui est dénudée. Bon, j'ai sûrement quelque chose à développer avec ces photos-là que j'ai faites ce matin. Mais à toutes les fois que je fais de la photo, en général, c'est parce que je veux compter une histoire, dans le fond. C'est pas mal ça que je veux faire.
OK, mais tu racontes une histoire à quelqu'un, alors la diffusion des photos, elle est multiple, dépendant de ce qu'on veut faire et de ce qu'on aime faire. Il y a un photographe là, que tu connais probablement qui est sur, en tout cas, moi je le vois passer sur Facebook à tous les jours, il y a plusieurs photos. C'est son petit plaisir dans la vie, c'est de Oui. montrer aux gens ce qu'ils n'ont pas vu parce qu'ils ne sont pas allés où lui est allé cette journée-là. Et ça donne, comme dirait l'autre, qu'il fait des maudites belles photos. Donc ça nous rend un petit peu jaloux. Toi, est-ce que toi, tu vois de l'art dans tes photos? Si je vois de l'art, une fois que j'ai travaillé, que j'ai trouvé le point que je voulais mettre en valeur, si on veut, sur la photo ou l'ambiance que je veux y créer, ouais, ça a une forme d'art, effectivement. Ça communique l'émotion, parce que moi, toutes mes photos sont noires et blancs. Donc, c'est pour que le monde se concentre plus sur l'émotion de la photo que le décor, si on veut, la couleur match avec telle chose. Donc, c'est noir et blanc, c'est pour justement cibler les émotions, faire vibrer les émotions des gens qui regardent. Donc, c'est ça. Et la diffusion de tes photos, est-ce que pour toi c'est important? Personne ne les verrait jamais, ça changerait-tu quelque chose dans ton plaisir? Ou c'est juste un plaisir de plus supplémentaire, évidemment? Oh, j'ai été longtemps sans les diffuser, j'ai pas été malheureux. Là, j'ai l'opportunité de les mettre sur un mur public, en exposition pendant un mois, puis avoir la chance d'en parler. En fait, ça m'a amené à continuer, si on veut, ma démarche en photo. Donc, il faut que je donne. Je donne ou je grandis à l'intérieur d'un nouveau sens par rapport aux photos que je monte. Parce que c'est comme, ça donne un peu le trac, je te dirais. C'est comme monter sur scène ou parler devant le public. Au début, la première phrase, bon, ben, il faut que tu gagnes ton assurance, tu gagnes ta confiance. Et pour après ça, pouvoir affirmer librement ce que tu veux affirmer. Donc, la photo, dans ce cas-là, pour moi, en la mettant sur les murs, la première journée qui vont être en exposition, je suis certain que je vais avoir le trac, je vais être excité en même temps, peut-être un peu énervé, je ne sais pas là, comment je vais réagir, sauf que, moi je voudrais dire, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu excitant de pouvoir, c'est une nouvelle affirmation de moi-même finalement, c'est pour ça que je ne sais pas s'ils vont m'aimer, tu sais, comment est-ce que c'est des fois, bon. C'est drôle parce que tu parles de tract et de monter sur les planches parce qu'effectivement tu fais du théâtre. Et autant le photographe est un témoin, Ouais. autant sur scène l'acteur est l'outil de quelqu'un d'autre qui a écrit et qui a mis en scène. Ouais. Luc Archambault, lui, là-dedans. Hein? Au théâtre, je sers le texte de l'auteur, c'est bien sûr, mais je me sers des outils que j'ai en dedans de moi pour exprimer ce texte-là. C'est sûr que je ne deviendrai jamais Cyrano, même si j'en ai le nez, mais je peux servir le texte. En photo, j'ai créé la photo, moi. J'ai créé la photo parce que mon œil ou mon esprit à travers mon œil a capté quelque chose que je voulais, on va dire en grand terme, immortaliser ou non fixer, si on veut, dans le temps. Parce que cette fraction de seconde-là, parce qu'une caméra, ça marche au millième de seconde, trois quarts du temps, ben, elle ne reviendra pas. Ça ne reviendra plus, c'est même plus. Je ne pourrais pas reproduire la même photo aujourd'hui telle qu'elle était. Et je l'ai essayé, puis ça ne marche pas. Donc, cette photo-là, ou les photos qui sont sur le mur pour l'exposition, c'est des photos uniques, qui représentent des moments uniques, puis en plus des points de repère, puis la plupart de ces points de repère-là ont disparu, ou en voie de disparaître. D'où l'importance de. Ça nous rend sensible, en fait, la photographie, à qu'est-ce qui existe, puis à qu'est-ce qui disparaît. Ça nous permet de faire marquer le temps, ou marquer le territoire, finalement. Puis c'est avec quoi 50 quelques années de photographie, j'ai pu en accumuler un peu de points de repère qui sont disparus. Donc c'est juste ça amène cette sensibilité-là sur l'interprétation du territoire quand on se promène. Je veux faire un petit peu de philosophie parce que tu m'ouvres la porte en disant marquer le temps, on immortalise, c'est pour la postérité. Je veux t'entendre, mais là, inquiète-toi pas, on s'en va pas dans la philosophie, mais dans la philosophie à Saint-Saëns, comme j'aime faire. Qu'est-ce que tu penses de ce que c'est devenu?
Avec nos téléphones, on prend je sais pas combien de photos d'une journée. C'est plus comme avant. Avant, la photo avait une charge justement d'immortalité, de postérité. Maintenant, c'est rendu que c'est des vidéos que les gens font avec leur téléphone, comme si ça allait être plus beau à regarder, alors qu'ils bougent partout tout le temps pendant le spectacle ou pendant la danse de leurs enfants à l'école, là, tu sais. Puis tu regardes ça, puis c'est pas regardable, mais en même temps, eux autres, ils ont l'impression d'avoir essayé d'immortaliser quelque chose. Est-ce que c'est toi qui as la bonne idée de faire du noir et blanc standard dans toi, tu immortalises le temps. Tu fais pas des photos comme moi j'en fais, là. Juste pour répondre au début de ta question, le monde se sert des téléphones parce que les téléphones sont de plus en plus sophistiqués et ils peuvent faire des belles photos aussi. Parce que ça ne prend pas nécessairement un photographe pour tout prendre les photos qui se prennent. T'sais, il y a des milliards de photos qui se prennent tous les jours. C'est parce que le monde veut montrer qu'ils sont là, ils veulent montrer qu'ils sont passés sur cette terre-là, en quelque part, où s'affirmer, où ils ont mangé ce beau dessert-là, ou pris ce beau verre de vin-là. C'est pour raconter leur vie, en quelque part, tu sais, qu'ils font ces choses-là. Ils se racontent eux-mêmes. Moi, j'ai choisi, bon, j'ai choisi. C'est parce que j'ai vécu avant, donc je suis plus, en tout cas, j'ai plus d'expérience, mettons. Les photos que j'ai prises, qui étaient en noir et blanc, j'en ai plusieurs qui sont en argentique, donc qui n'étaient pas numériques à l'époque. C'est des photos, comment je veux dire, ils ont l'air d'avoir marqué une époque, parce que c'est là d'où l'importance de l'âge d'une photo, du temps qui passe quand tu regardes une photo. C'est là qu'elle te rend sensible à ce qui existe ou ce qui existait. C'est peut-être là qu'il y a on va dire, le charme, entre guillemets, de ces photos-là, c'est qu'il y a plusieurs des images ou des objets qui sont captés sur les images que j'ai prises qui n'existent plus. Donc, c'est peut-être un intérêt peut-être archéologique pour certains. Moi, ça me donne ça me donne plus un intérêt émotif au territoire. Donc, peu importe si tu te promènes, moi, je viens du coin de Bedford, donc le Missisquoi, dans ce coin-là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec les années. T'sais, bon, t'sais, si on va juste le fond à Clarenceville, bon, l'église n'existe plus, il y a juste le clocher. Ils l'ont placé pour qu'on puisse quand même se souvenir de cette époque-là. Donc, ça marque le temps, ça marque l'espace aussi. C'est un peu le principe que moi, j'applique, si on veut, ou que j'interprète de ces photos-là. Quand on va aller à la loge pendant le mois d'avril, regarder tes photos, comment ça va se passer? Il y a la pandémie, là, et puis ça limite un peu les choses. J'imagine qu'on n'aura pas le vin et fromage. Moi, j'aimais vraiment ça, les vins et fromages, là, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a du vin, il y a du fromage. Mais au-delà de ça, au-delà de la partie sociale, est-ce que tu réussis quand même à trouver ton compte en parlant avec les gens? Parce que c'est un peu pour ça qu'on fait ça, là. C'est pas juste pour dire qu'on est exposé, là. Non, effectivement. D'ailleurs, moi j'aime aller dans une galerie d'art où les artistes sont présents parce que justement, tu regardes son œuvre, puis des fois ça te dit totalement rien, tu comprends pas la dynamique, puis tu as besoin d'explications ou de te faire conter l'histoire de qu'est-ce que ça veut dire finalement, ou qu'est-ce que moi j'en ressors, qu'est-ce que ça veut dire, puis pouvoir en discuter. Récemment, il y avait une exposition sur Femmes Art à la loge, justement, puis je suis allé deux ou trois fois justement pour aller voir les œuvres, oui, mais aussi les artistes, parce que c'est important de parler à l'artiste, je pense que ça nous permet de situer notre émotion par rapport à la leur, dans leurs œuvres. Donc c'est un peu ça. Puis moi, en plus de ça, mes histoires vont être affichées. Les histoires de mes photos vont être affichées. Donc, tu vas pouvoir lire l'histoire de cette photo-là. Qu'est-ce que c'est qu'elle m'a fait, elle m'a inspiré comme histoire de faits vécus. Des faits vécus aussi, en même temps. Donc, c'est ça. Une question que je pose beaucoup aux artistes qui font de la peinture ou de la sculpture, des choses comme ça, c'est que je leur demande, est-ce que ça vous étonne tout ce que tout le monde voit dans vos œuvres que vous, vous n'avez pas nécessairement vu? En photo, c'est moins vrai, parce qu'en photo, tu es vraiment, tu sais, bon, à moins de
cliquer sans regarder, là, mais théoriquement, tu cherches. Mais est-ce que ça te surprend la réaction des gens quand ils regardent tes photos parfois? Parce que toi, tu penses que ce qu'ils vont regarder, c'est, je sais pas, moi, c'est la petite barque sur le lac. Ben là, dans notre cas, c'est la rivière. Bon, tu sais. Puis eux autres, non, 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 eux autres, ils regardent la maison à côté. Go, 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 c'est belle, tu sais. Dans le fond, est-ce que ça te surprend le regard des gens sur tes affaires? Oui, absolument. Tu as bien raison. Parce que au mois de juillet, j'avais comme 4-5 photos sur les murs à la loge. Puis, bon, ça, pendant quelques jours. Puis, ceux qui sont venus, justement, ils ont vu des choses dans mes photos que je dis, ah, oh, j'avais pas vu ça. Effectivement, ça, c'est surprenant parce que toi, moi, je regarde la photo dans son ensemble et elle m'évoque quelque chose à moi. Il y en a qui vont regarder du détail, de la technique, parce que la photo, c'est un peu technique aussi. Ah, oh, t'as bien réussi ton ciel. Ils disent, oh, oui, comment ça? Tu sais, bon. Tu vois, la question que je n'avais pas pensé à répondre, mais j'avais la réponse quand même, mais il reste que c'était pas ça que je m'attendais à te présenter, là, mais ça fait rien. C'est le fun, ça fait de la conversation, effectivement. En parlant de conversation, on va arrêter ça, pas là, 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 mais bientôt, parce que je veux pas que ça soit de la redite, puis que tout le monde qui vient de te voir, t'aies déjà l'impression de leur avoir dit ce que tu es en train de me dire, parce que c'est un peu comme ça que ça va se passer avec eux devant ces photos-là. Mais je voulais quand même prendre le temps, Luc, de te remercier de faire ce que tu fais à Studio Saint-Jean, parce que j'y croyais tellement à ce projet-là, mais le député que j'étais était fier de lancer sa chaîne, m'avait plus le temps de la traîner. Mais je trouve que tu l'as très bien reprise et tu es en train de courir avec la chaîne pour faire des choses que j'espérais qu'on puisse faire à Studio Saint-Jean. Je dis toujours au début, pour qu'on communique plus, qu'on communique mieux, pour s'aider entre nous, se connaître davantage, c'est exactement ce que tu fais. Alors, bravo Luc, merci beaucoup. Je ne sais pas si tes photos sont belles, je ne sais pas ce que le monde va en dire. Je te souhaite bonne chance avec l'exposition, mais je te remercie du fond du cœur d'avoir donné ce nouvel élan à Studio Saint-Jean. Et j'en profite pour dire que si vous trouvez que c'est bon ce qu'il fait, Luc, ben vous pouvez y écrire. Si vous trouvez qu'il peut s'améliorer, vous pouvez y écrire pour lui dire comment. Mais si vous voulez faire comme lui, vous pouvez y écrire aussi pour qu'il puisse vous dire comment ça se fait et comment il trouve ça, puis pourquoi il fait ça. Parce que finalement, on t'a trouvé un job à plein temps comme bénévole, toi, là. Ben, quasiment, mais j'ai bien du fun aussi. Je m'amuse beaucoup, puis comment je pourrais dire, plus t'en fais, plus tu veux en faire. Tu découvres quelqu'un, tu découvres un domaine, tu découvres. Je me suis fait plein de nouveaux amis à cause de ça. Là, je rencontre des gens, tous très intéressants, ils ont tous une vie, une expérience. Ce serait de valeur de manquer ces choses-là, de pas en parler. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que ça m'impressionne à chaque fois jusqu'à quel point on est une grande ville. On est une ville de 100 000 habitants. Forcément, on ne peut pas connaître tout le monde puis savoir tout ce qui se passe. Mais à chaque fois qu'on fait une entrevue puis que je regarde une de tes entrevues, je me rends compte qu'effectivement, tu découvres du monde ou quelque chose qui faisait ou une organisation qui est importante pour la communauté. Puis pourtant, tu vis ici puis toujours, toi, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si tu arrivais, là. Ouais, mais je fais pas exception à n'importe quelle personne qui demeure à Saint-Jean, tu sais. Bon, je suis là depuis l'âge de 2 ans. J'ai pas vu tout le monde. Bon, je me suis impliqué dans bien des choses dans ma vie, mais j'ai fait une grande partie de ma vie dans la grande ville, pour professionnellement parlant. Mais il reste que si tu sors pas dans ta ville, tu rencontres pas de monde. Moi, depuis que je suis à la retraite, ou même avant, je te dirais, j'ai préparé ma retraite 15 ans avant ma retraite. Parce que, bon, je me suis impliqué de plus en plus tranquillement, progressivement. Tu sais, tu mets le doigt dans l'engrenage, puis c'est le bras qui te passe. Bon, ben, c'est un peu ça. Puis, tu y prends goût, en plus. Puis, à Saint-Jean, j'imagine, pareil comme ailleurs au Québec, il y a un paquet de monde intéressant. Ça n'a pas d'allure. Comment est-ce que c'est valorisant de parler à ces gens-là, même si ma job, c'est pas de me mettre en valeur, absolument pas, c'est de les mettre en valeur, de les mettre en lumière. Tu sais, ils disent, quand je travaille sur... C'est Paulo Coelho, en tout cas. Mavlouf, c'est en philosophie à Saint-Saëns, peut-être, qui dit, si tu crois à ton rêve, l'univers va conspirer pour qu'il se réalise. Ben,
Je suis rendu un conspirateur pour réaliser ou mettre en valeur les rêves des autres. C'est puis ça, c'est bien, bien le fun. C'est pas pour te relancer, mais ce que tu viens de dire, tu le fais naturellement, d'instinct et spontanément. Mais je peux te dire que les meilleurs intervieweurs sont ceux qui ne pensent pas être des bons intervieweurs, mais qui mettent en vedette leurs interviewés et Ah qui ben. voient à ce qu'ils puissent passer leur message, parce que c'est pour ça qu'on fait ça. Ce n'est pas pour poser des belles questions, c'est pour avoir des bonnes réponses, puis que les gens soient à l'aise et confortables. Alors Merci. là-dessus, je boucle la boucle de cette parenthèse-là sur Studio Saint-Jean. J'ai une petite job à la fin et à finir pour dire au monde une sorte d'affaire. Je te remercie d'avoir accepté d'être l'artiste du mois d'avril sur Studio Saint-Jean et je te souhaite autant de monde que tu es capable d'en prendre à la loge avec tes photos. Bonne chance avec l'exposition et puis merci beaucoup de cette ouverture que tu as eue pendant cette entrevue. Ah oui, merci beaucoup, Louis. Ça me fait un grand plaisir. Puis j'ai hâte de soit rencontrer le monde à la loge ou soit rencontrer le monde au studio Saint-Jean. Mesdames, Messieurs, notre artiste du mois d'avril 2021, Luc Archambault, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous voulez être interviewé, ou si vous voulez interviewer vous aussi sur Studio Saint-Jean, puisque la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, c'est une chaîne communautaire. Alors, vous n'avez qu'à nous écrire l'adresse que vous voyez régulièrement et vous êtes en ce moment sur la chaîne si vous regardez cette entrevue. Donc, vous le savez, c'est production à commercial studio-saint-jean.tv. Merci beaucoup d'avoir été là. Salut.